Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qui est la première d'une très longue série où je vais te présenter toutes mes actions à dividendes pour compte-titres sur lesquels je souhaite investir prochainement. Je vais commencer par la plus intéressante, je ne vais pas te faire attendre des semaines et des semaines pour arriver à la meilleure. Je commence tout de suite avec celle qui m'intéresse le plus et celle sur laquelle je souhaite investir la plus grosse part de mon portefeuille. Rien que sur cette action, je souhaite investir 5% de mon portefeuille total, donc sur mon compte-titres. C'est-à-dire que si j'y investis, ça sera via un plan d'investissement programmé sur Trade Republic. Et donc, j'investirai 50 euros tous les mois sur cette action. Et voilà, donc il y aura certaines actions sur lesquelles j'investirai 40, 30, 20, 10 euros au minimum. Et donc, bah, cette action fait partie de celles sur lesquelles je souhaite investir 5% de mon portefeuille. Donc, ce qui est une très grosse partie de mon portefeuille sur une seule action. L'action dont je te parle aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, c'est l'action Altria Group. Altria Group, tu vas très rapidement comprendre au vu des indicateurs que je vais te proposer dans cette vidéo pourquoi c'est mon action à dividende préférée sur compte-titres. Donc, bah, mon action à dividende préférée de toutes celles que je peux détenir, que ce soit sur le marché français, américain ou autre. Donc, Altria Group, déjà, quel est son rendement, le rendement sur son dividende en 2021? Au cours actuel de l'action, le rendement s'élève à 8,4%. Donc, excellent rendement. Premier indicateur dans le vert. Deuxième indicateur, plus que dans le vert, c'est les années consécutives de versement du dividende. Ça fait 42 ans que le dividende est versé sans interruption. Donc, ça, c'est vraiment un gage de sécurité qui est énorme. Troisième indicateur, les années consécutives d'augmentation ou de stagnation du dividende, c'est-à-dire depuis combien d'années le dividende n'a pas diminué et a potentiellement augmenté. Ça fait donc 12 ans. Alors par rapport aux 42 ans de versement ininterrompu, ça ne fait que 12 ans qu'il n'a pas diminué. Donc ça veut dire qu'en 2009-2010, il a dû diminuer légèrement, donc suite à la crise financière de 2008, j'imagine. En tout cas, ça fait 12 ans qu'il n'a pas diminué, c'est-à-dire qu'il a tenu face au Covid, par exemple. Donc, c'est un peu plus rassurant maintenant de voir ça. Donc, 12 années d'augmentation ou de stagnation du dividende consécutif, ça c'est quand même pas mal. Surtout, le dividende sur les 10 dernières années a augmenté en moyenne de 7,8% par an. Alors, c'est une moyenne calculée entre 2011 et 2021, du coup, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, 7,8% d'augmentation par an en moyenne, c'est très, très élevé. Donc, comme il n'a pas été coupé ni diminué depuis 12 ans, eh bien, on peut estimer que chaque année, il a un petit peu augmenté sur les 12 dernières années. Et du coup, sur les 10 dernières années, il a augmenté d'en moyenne 7,8% chaque année. Et ça, vraiment, c'est énorme et c'est extrêmement intéressant. Le PER est très correct. Il est de 9, donc c'est un PER relativement bas. Surtout pour une action aussi intéressante et un aussi gros groupe hein, qui pourrait facilement être surévalué. Ça n'est pas le cas, donc c'est une très bonne nouvelle. Et la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années s'élève à 19%. Donc c'est une action qui est en très légère croissance malgré le dividende qui augmente fortement. Ce qui explique que d'un côté, on a un PER qui est bas et un rendement qui est élevé. C'est tout à fait logique parce que bah, l'action est sous-évaluée et a un rendement sur son dividende qui est très intéressant. Donc, ça fait à la fois un bon rendement et une action bah, qui te permet d'être acheté un peu en dessous de sa valeur intrinsèque ou du moins voilà, un PER qui est tout à fait correct. Et donc, cette action, comme je te l'ai dit, représentera 5% de mon portefeuille quand je commencerai à y investir. Donc, ma stratégie rapidement sur le compte-titres, ça va être bah, tout simplement déjà de remplir mon PEA au maximum. Donc, déjà dans la limite des 20 000 euros qui me sont impartis, tant que je ne suis pas détaché fiscalement du foyer fiscal bah, de ma famille, en fait, de mes parents. Dès que j'en serai détaché, j'aurai la limite de 150 000 euros qui sera appliquée. Je pense avoir rempli ce PEA aux alentours des 24-25 ans si tout se passe bien. Donc, les 150 000 euros du PEA. Je commence désormais déjà à tester un peu Trade Republic pour les plans d'investissement programmés, mais là où j'y investirai le plus, ça sera quand mon PEA sera plein, pardon. Donc, et bah, éventuellement dans 3, 4, voire 5 ans, où là vraiment j'investirai bah, 50 euros tous les mois par exemple sur cette action, 50 euros sur une autre action, 50 euros sur une autre. Donc, ça fera un peu plus de 1 000 euros investis chaque mois. Enfin, normalement, à peu près 1 000 euros investis chaque mois si on arrive bah, au 100% comme prévu. Donc voilà ce que j'ai prévu sur cette action et donc plus globalement sur mon compte-titres. Donc cette vidéo
fait 4 minutes 50, donc on va dire 5 minutes, elle est un peu plus longue que les autres. J'essaierai de te faire des vidéos aux alentours des 3 minutes pour que ça soit vraiment concis. Mais là, c'était la première, je t'introduisais ce thème de vidéo. Donc je t'ai déjà fait toutes les analyses pour PEA, donc toutes mes actions à dividendes pour PEA. En tout, il y en a 30. Et là, il y en a 38 actions à dividendes. Donc aujourd'hui et les 37 prochains jours, donc pendant un peu plus d'un mois, je te posterai tous les jours une vidéo d'analyse d'actions à dividendes pour compte-titres. Je sais que ce contenu te plaît énormément, mais si tu veux m'aider encore plus, je t'invite évidemment à t'abonner. C'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Voilà, le like, donc le pouce bleu, le commentaire, etc. C'est très bien, ça fait très plaisir, ça aide au référencement. Mais vraiment, le fait que tu t'abonnes, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que bah, j'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un, en tout cas à un certain nombre de personnes. Actuellement, on est aux alentours des 440-450 sur la chaîne. Donc, j'ai vraiment l'impression de m'adresser à un bon public plutôt que d'avoir 50 abonnés et d'avoir l'impression de parler tout seul devant ma caméra. Donc là, ça me fait plaisir déjà d'avoir de l'interaction dans les commentaires et de voir le nombre d'abonnés qui augmente. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter. Ensuite, tu as le commentaire, le pouce bleu évidemment et ce qu'on ne fait jamais mais qui apporte pareil un soutien énorme, c'est de partager la vidéo à un de tes amis investisseurs. J'imagine que tu en as très peu comme moi et c'est d'ailleurs pour ça que je regarde et que je fais des vidéos sur YouTube. Parce que dans la vraie vie, entre guillemets, hors des réseaux, je ne connais que très peu de personnes qui s'intéressent aux finances personnelles, à l'investissement, à la liberté financière. Donc j'imagine que c'est ce que tu essayes de retrouver sur cette chaîne YouTube. Alors si jamais tu as des amis qui sont intéressés par ça, n'hésite pas à leur partager ce type de vidéo, que ce soit les miennes ou d'autres. Et bah, n'hésite pas à toi-même t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve demain pour l'analyse de l'action 3M. C'était Florian. Ciao.